Hello, hello! Bonjour à tous les petites lumières, bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ici Kiki Monroe. J'espère que vous allez tous pour le mieux et je suis bien sûr ravie de vous retrouver en ce jour pour une nouvelle guidance. Et vous le savez maintenant, je commence par remercier les nouveaux abonnés. Hello, hello! Bonjour, bonjour les nouveaux abonnés, bonjour, merci et bienvenue sur cette chaîne qui se veut dans l'amour et dans la bienveillance toujours. Et bien évidemment, un gros bisou d'amour à vous, mes chères petites lumières qui me suivez depuis le début ou qui m'avez rejointe en cours de route. Merci pour tout votre amour, votre bienveillance et votre fidélité. Voilà, alors bien évidemment, vous le savez, je vais vous laisser ici mon email professionnel pour que vous puissiez me contacter afin d'avoir toutes les modalités d'une guidance privée avec moi. Cet email, vous le retrouverez également en barre d'infos de description de la vidéo et il vous suffit de me contacter pour obtenir toutes les modalités de guidance. Voilà. Alors, je voulais vous dire également, bien, vous le savez, de faire preuve de deux choses sur cette vidéo. La première, c'est intelligence et la deuxième, c'est le discernement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de ne prendre, s'il vous plaît, que les messages qui vous semblent vous être adressés, qui résonnent en vous, ce qui ressemble à ce que vous vivez, ce qui correspond à vous, ce que vous ressentez. Si tel n'est pas le cas, eh bien ma foi, allez voir une autre vidéo ou ne prenez que les messages qui vous parlent. Moi, je vais vous proposer des choses tout le long de cette vidéo. Mais bien sûr, on reste dans de la vidéo générale, dans de la guidance générale. Tout ne peut pas vous parler à 100%, donc je ne vous impose rien. Je vous laisse disposer de ce que vous souhaitez garder. Voilà, ceci étant dit, le sujet de cette guidance aujourd'hui, il est un peu particulier parce que j'ai eu un message d'une abonnée l'autre jour et ce message, en fait, il m'a beaucoup touchée parce que on voyait dans une des guidances que vous aviez eu affaire pour certains et certaines d'entre vous à des personnes qui ont été dures avec vous, qui ont été malhonnêtes, malveillantes pour certaines, vraiment pour certaines même, on va dire brutales, pour pas dire d'autres mots. Voilà. Donc moi, je me suis dit, j'ai eu un message d'une abonnée qui me disait, mais Kiki, le karma, la justice divine, qu'en est-il? Quand est-ce que ça va arriver? Ben moi, j'ai envie de, voilà, d'aller voir justement, parce que ça m'a beaucoup touchée, la détresse de cette personne. Et donc, je vous propose une vidéo aujourd'hui où on va aller voir le retour de bâton, la justice divine ou la justice des hommes, le retour de karma, vous appelez ça comme vous voulez. En tous les cas, voir si il va y avoir quelque chose qui va arriver à la personne à laquelle vous pensez. Cette personne, je vais peut-être l'appeler votre autre pendant la guidance. Peu importe comment je l'appelle, ce qui compte, c'est l'intention que vous vous y mettez. Ça peut être dans tous les domaines, évidemment. Donc, on va aller voir, s'il vous plaît, quelles énergies déjà on veut nous. Alors, déjà, on veut nous dire que votre projet, vos projets à vous, ils vont aboutir. Peu importe ce que cette personne, elle vous a fait. Vous pouvez y aller là. Vous n'avez plus besoin d'attendre. Agissez sans attendre. Donc, ce qu'on vous dit, c'est ne vous laissez pas contrecarrer par cette personne et ce qu'elle a pu vous faire. Vous recentrez-vous sur vous, harmonisez vos énergies, réalignez-vous énergétiquement et vous allez voir que les choses vont se faire. On vous dit oui, vous voyez, pour cette personne, par rapport à cette personne, on vous dit bien de ne pas la conserver dans votre giron, de ne pas la garder. Non mais attendez, je viens bien de dire ne pas la conserver dans votre giron. Allô les guides du Moyen-Âge? Allô, ici Kiki Monroe. Merci de m'envoyer des mots du 21e siècle. Merci, allô. Non, franchement, sérieux là. Bon, bref, en tous les cas, pardon hein, pour l'aparté, mais voilà, mes guides, franchement, on voit toujours des expressions de derrière les fagots. Wouh! Encore un truc vraiment super tendance là, hein, de derrière les fagots, voilà. Donc, on vous dit, les amis, changez de voie. Donc, effectivement, ne gardez pas cette personne dans votre entourage. Voilà, on va dire ça comme ça parce que c'est une personne qui ne vous apporte plus de bonnes choses aujourd'hui. On vous dit d'ailleurs, n'hésitez pas à demander de l'aide. Demander de l'aide, ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être vous confier à des amis, ça veut dire peut-être aller consulter un médecin ou un thérapeute si vous en recevez, si vous en ressentez le besoin. Ça peut être vous tourner vers peut-être des personnes
plus dans l'aspect juridique, les forces de l'ordre, etc., si vous en ressentez le besoin. En tous les cas, par rapport à cette personne, on vous dit bien, faites vos valises et changez de voie. Et on nous dit un dernier message par rapport à cette personne, vous voyez, et à son karma, la chance, elle est avec vous. Si la chance, elle est avec vous et que cette personne, elle, a voulu vous nuire, vous faire du mal, elle a voulu être malveillante avec vous, eh bien, vous pouvez vous dire que si la chance est avec vous, ça veut dire que la chance, elle n'est pas avec cette personne. Donc déjà, on a un petit indice. Là, on a des super belles énergies, moi, je trouve quand même pour vous. On vous dit bien, voilà, de laisser le passé derrière vous, hein. Voilà, encore une fois, donc on insiste là-dessus. C'est ce que je vous disais, de ne pas garder cette personne dans votre giron. On commence. C'est élégant. J'ai beaucoup d'élégance, n'est-ce pas? Pour parler. Bon, si c'était comme ça dans la vraie vie, ce serait bien. Donc, laissez le passé derrière vous, les amis. Ce qu'on voit, c'est que c'est une personne, en tous les cas, qui draine des mauvaises énergies, des choses assez toxiques envers vous. Ok, donc ça, je voulais voir un petit peu les énergies. Maintenant, on va aller voir cette personne, ok, au niveau de son karma. Est-ce qu'il va y avoir une justice? Est-ce qu'il va y avoir un retour de bâton? Est-ce que cette personne... Oui, il va y avoir, lentement mais sûrement. On vous dit bien, là, regardez, la tortue et on vous dit lenteur et patience. Donc, soyez patient, soyez tranquille, laissez les choses se faire tranquillement. On vous dit, la magie va opérer, la magie de là-haut, la magie du ciel, de la source, des anges, la magie divine, comme vous préférez l'appeler, quoi qu'il en soit, moi, je vous laisse libre de vos croyances, bien évidemment, mais en tous les cas, là, voilà, si vous voulez savoir s'il va y avoir, on va dire, un rééquilibrage de la situation par rapport au mal qu'une personne vous a fait, on vous dit que oui, mais pour ça, il faut du temps. Que vous, de votre côté, il faut que vous fassiez ce que vous avez à faire. Que vous tourniez le dos au passé, hein, que voilà, où on vous dit tracez votre route, hein, changez de chemin et tracez votre route. Hein. Laissez toutes ces énergies toxiques et dégueulasses derrière vous. Ça sert à rien de vous traîner tout ça comme des boulets. Avancez les amis. Hein. Quand on me dit de prendre celle-là. Regardez ce que va vivre cette personne. Vous voyez, je vous le disais. Je vous le disais. Voilà. Lentement mais sûrement, la magie va opérer. Et pour cette personne, ce qui arrive, c'est lentement mais sûrement, grâce à la magie qui opère, grâce au divin, grâce au ciel, grâce aux énergies, tout ce que vous voulez, eh bien, c'est la tempête et les émotions difficiles qui attendent cette personne. Ce qui va lui tomber sur le coin du nez, c'est la tempête, c'est les éclairs, c'est l'orage, c'est les difficultés, les obstacles, son chemin à cette personne. On nous dit qu'il va être semé d'embûches. Voilà, le chemin de cette personne va être semé d'embûches. Cette personne, il y avait une carte qui était restée que j'avais pas vue en fait. Et elle était restée, je n'avais pas prise avec les autres, elle était restée sur la table, je ne l'avais pas vue. Et c'était ça, c'était voilà l'inconscient. C'est-à-dire cette personne, c'est une inconsciente. Un inconscient ou une inconsciente. C'est quelqu'un en fait qui a fait n'importe quoi, n'importe comment, et qui n'est même pas conscient ou consciente à l'heure actuelle que ce qu'elle a fait ou ce qu'elle fait encore, eh bien, va la plonger dans les abysses, va la plonger dans, on va dire, des situations vraiment très, avec des fréquences très basses, donc dans des situations très difficile, on voit les nuages qui s'accumulent ici. Cette personne, elle est pas. Quand ça va lui tomber dessus, quand cette tempête-là, ces orages, ces éclairs, la foudre va lui tomber sur le coin du nez, eh ben cette personne, elle sera même pas consciente que en fait, eh bien, elle récolte simplement ce qu'elle a semé.
Donc, elle sera même pas consciente de ça. Voilà. Mais elle va bien récolter quand même, hein. Là, c'est ce qu'on nous dit. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? À partir de cet automne, la personne ou les personnes auxquelles vous pensez, elles vont commencer à perdre leurs repères. Elles vont commencer à douiller. Hein. Pardon de le dire comme ça, mais moi, c'est ce qu'on me montre là. Hein. Elles vont commencer à valser. Hein. Ça va commencer là, les énergies vont commencer à valser pour elles. Elles vont être prises dans une sorte de spirale infernale, dans une sorte de boucle dont elles vont pas arriver à sortir. Et elles vont être, j'ai envie de dire, complètement, ben oui, regardez ce qui sort, complètement en crise. Voilà. Et encore, on voit encore ici. Vous voyez la tempête et les éclairs, comme on a pu voir ces nuages noirs ici, comme on a pu voir ici, je vous disais, les foudres. Ouais, ben on peut parler de foudre karmique, hein, les amis. Hein. Et ça, je vous dis, voilà, cette personne ou ces personnes vont traverser des crises, des difficultés. Je vous le disais tout à l'heure, il va y avoir des larmes, il va y avoir du chagrin, il va y avoir des moments difficiles. Et ça arrive dès cet automne. Donc, c'est vrai qu'on nous dit patienter encore un peu parce que, vous voyez, ça tombe sur cette carte-là, sur la carte de la patience et de la lenteur. Pour certains, vous l'attendez depuis très longtemps. On vous dit, soyez encore un tout petit peu patient. Lentement mais sûrement, vous y arrivez. Vous savez très bien qu'à la fin, entre le lièvre et la tortue, c'est pas le lièvre le plus rapide qui gagne, mais c'est la tortue. Comme on dit, hein, le mensonge, si le mensonge prend l'ascenseur, la vérité, elle prend l'escalier. Donc la vérité, elle met plus longtemps à arriver. La justice, elle met également plus longtemps à arriver. Mais quoi qu'il en soit, ça finit par arriver en tous les cas. C'est ce qu'on me dit là. On me dit pour cette personne, c'est la fin d'un cycle. Cette personne, on va lui mettre une fin de non-recevoir. Cette personne, on va lui mettre un grand stop. Et pourquoi on va lui mettre un grand stop? Pour que cette personne, eh bien, elle apprenne un petit peu des leçons de la vie. On va lui faire, j'allais dire quelque chose de pas très élégant, donc je veux dire, on va lui faire manger sa leçon à cette personne. Puisqu'elle n'a pas compris jusque-là, eh bien, on va bien lui faire comprendre avec l'apprentissage, on va bien lui faire comprendre que, eh bien là, c'est le moment pour elle de s'arrêter, d'arrêter les... Pardon de le dire comme ça. Mais pour elle, il est temps d'arrêter les bêtises. Il est temps de mettre fin à des choses et de mettre fin aux crises peut-être qu'elle fait aux gens. Aux crises qu'elle a créées elle-même, qu'il ou elle a créées elle-même. Parce qu'on me dit que cette personne, elle a engendré des crises. Elle a engendré. Alors, pour certains, c'est des conflits dans les familles, notamment. Donc, elle a fait, notamment, cette personne se séparer ou se fâcher des personnes de la même famille ou des amis, famille d'âme, etc. Et pour d'autres, eh bien, c'est une personne ou des personnes qui auront créé des conflits administratifs. Donc, des personnes qui auront été très procéduriers ou très procédurières, par exemple. Des gens qui auront déposé des mains courantes. Je vous parlais tout à l'heure des forces de l'ordre. C'est pas un hasard, j'en parle vraiment très rarement dans mes guidances. Donc si c'est venu, c'est que avec cette personne, il y a peut-être eu des crises, il y a peut-être eu voilà, quelqu'un qui a déposé plainte ou des choses comme ça. Peut-être quelqu'un aussi qui s'énerve facilement et qui va facilement devenir violent, voyez, en parole comme en acte, hein. Donc on fait attention, mais en tous les cas, voilà, on vient bien dire dès cet automne à cette personne. On vient bien, voilà, vous voyez, les foudres karmiques, la justice divine lui tombe bien sur le coin du nez, afin qu'elle arrête son petit manège, son petit cirque, et qu'elle apprenne enfin sa leçon. Voilà. Hein? Bon. Je crois que là, on est bien. Allez, les amis, on continue. Ah, vaut mieux en rire qu'en pleurer, hein. Vous savez comment je suis, hein. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Une carte. On me dit de prendre celle-là ou pas?
C'est quelqu'un qui a créé du chagrin et des larmes, on nous dit encore. Moi, je demande quel est le karma? Quel est le karma pour cette personne? Est-ce qu'elle va recevoir? Oui, elle va recevoir le chagrin et les larmes. Ce que je vous disais tout à l'heure, je vous disais là, il y aura des larmes et du chagrin. Ces fameux chagrins, larmes, conflits, pardon, qu'elle a elle-même créés chez les autres, eh bien, elle va maintenant le recevoir sur elle. Elle va avoir cette personne, le chagrin et les larmes qui vont rentrer dans sa vie. Je pense qu'il va y avoir une forme de dépression pour certains et pour certaines. Donc, c'est pas bien joli, mais ma foi, quand on joue avec le feu, il faut pas s'étonner de se brûler après. Ah oui, c'est celui-là aussi qu'on me dit de prendre. Attendez. On me dit de prendre celui-là d'abord. Excusez-moi. Je vois du direct. Alors, le karma pour cette personne, mes amis. Et vous avez de très très belles énergies à partir du moment, je dirais, où vous coupez avec ces énergies toxiques, ce groupe ou d'individus ou cet individu. Attention, ne prenez bien sûr que si ça vous parle. Quel karma pour cette personne? Le feu, ça va être le feu dans sa vie. Tout va s'embraser dans sa vie. Ça va être les flammes, ça va être des choses difficiles, ça va être compliqué, ça va être voilà, une situation explosive et inflammable sur cette personne. Voilà. Et pour éteindre le feu qu'elle-même aura allumé, parce que c'est elle qui aura allumé le feu, ok? J'ai la patate aujourd'hui. Bon, c'est les guides peut-être qui aiment bien Johnny, je ne sais pas. Eh bien, pour éteindre le feu qu'elle aura elle-même allumé, cette personne, eh bien, elle n'aura plus que son chagrin et ses propres larmes pour essayer de l'éteindre. Donc, allez-y, essayez-vous on va dire, d'éteindre un feu juste avec vos larmes. Je lui souhaite bon courage à cette personne, mais on me dit bien hein, que c'est elle qui, comment dire, l'a mérité, je ne sais pas, mais pas l'a mérité. Moi, je veux pas dire ça parce que je veux pas, comment dire, je veux pas être dans le jugement par rapport à cette personne. Mais on me dit que c'est elle qui l'a créé, qui l'aura initié, qui aura initié effectivement tous ces problèmes-là. Voilà. Donc, bon, ben, c'est bien triste, mais ah, attendez, j'en ai une qui s'est retournée. Voilà. Ouais, ben écoutez, ouais, oh là, ouais, effectivement, regardez ce qui arrive dans la vie de cette personne. Alors, les changements, donc, c'est exactement ce que je vous disais, d'autant plus que la carte, je vous le signale quand même, elle sort sur celle-là. Donc, fin de cycle, changement, effectivement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On lui dit bien à cette personne, maintenant c'est fini là. Ton petit bazar là, que t'as mis là, ton petit cirque là, c'est terminé maintenant. Ça va changer tout ça. Donc le karma lui dit, bah voilà, maintenant on vient faire changer tout ça et on vient faire changer tout ça. Et croyez-moi les amis, regardez, c'est horrible, mais c'est la révolution, ça va être la révolution. C'est-à-dire que là, dans ce jeu-là, cette carte, elle est quand même, on va dire, je vais flouter, je vais faire comme ça, parce que sinon. Mais cette carte-là, c'est quand même quelque chose d'assez dur, hein, d'assez brutal. Hein. Il va lui tomber dessus, c'est la révolution, c'est-à-dire que dans sa vie, tout à coup, tout va changer, tout va se transformer. C'est quelque chose d'assez, on voit, d'assez sanglant. Hein. Il y a de la rivalité, il y a de la concurrence, il y a des blessures, il y a de la bagarre, de la bataille, du duel, du conflit. C'est vraiment, vous voyez, c'est comme un ange déchu. Donc on lui dit maintenant, stop, c'est terminé, t'arrêtes. On te brise, on te coupe tes ailes, on te brise ton élan et on te fait tomber de haut. Et cette personne, croyez-moi, avec la révolution, cette personne, elle va tomber de haut. Elle va tomber de très haut. Alors bon, c'est triste pour elle. En même temps, on nous dit bien, là, voilà, j'ai cette carte-là. Vous voyez, elle va devoir repartir de zéro et faire la lumière sur tout ce qu'elle a fait. On va lui éclairer les yeux.
On va lui mettre les projecteurs sur ce qu'elle n'avait peut-être pas envie de voir, cette personne, à savoir tout le mal qu'elle a fait, et on va la faire redémarrer à zéro. On va lui dire maintenant, mon petit gars ou ma petite gazelle, on remet les compteurs à zéro et on va tout remettre à plat. Et maintenant, tu vas devoir te justifier sur absolument tout ce que tu as fait à tout le monde en mal, en toxique, etc. D'accord? Donc, cette personne, j'ai envie de dire, eh ben, elle est, franchement, j'allais dire, elle n'est pas au bout de ses peines, mais je crois qu'elle va surtout être au bout de sa vie dans pas très longtemps. Hein, là, ça arrive. Hein, c'est pas encore le cas, hein, pour l'instant, mais ça va arriver. Si vous entendez des ronflements derrière, sachez que c'est toujours chouchou. Bon, ben voilà, quand on parle des foudres divines, ça s'invente pas, hein, voilà. Donc on a là les foudres de Zeus, les foudres du divin, et ça va être quelque chose d'assez soudain, comme je vous disais. C'est pas encore, hein, mais ça va être assez soudain. Et pourquoi? Parce que on veut message reçu. On veut qu'elle reçoive le message. Et comme elle a tendance, cette personne, il ou elle a tendance à ne pas écouter, ça fait plusieurs fois qu'on lui envoie des signes, ça fait plusieurs fois qu'on lui dit attention, ça va finir par tomber, attention à ce que tu fais, arrête ton petit jeu, arrête ton petit manège, parce que nous de là-haut, on va t'envoyer ce qu'il faut, sinon, et on va finir par t'envoyer du très lourd si tu continues comme ça et si tu t'entêtes à ne pas comprendre nos messages. Eh ben écoutez, voilà, le message va être reçu, on va lui envoyer les foudres karmique. Voilà, donc pour ceux qui voulaient savoir si cette personne, elle allait avoir, on va dire, s'il allait y avoir une justice, s'il allait y avoir un retour de karma, s'il allait y avoir, voilà, un rééquilibrage, on va dire, des choses, eh bien, j'ai envie de dire, vous le savez maintenant, cette personne, elle va recevoir comme message les foudres de là-haut. Ok, ça c'est le message qu'elle va recevoir pour lui faire bien comprendre que tout ce qu'elle a fait jusqu'à présent ne reste pas impuni. Elle ne pourra plus désormais agir impunément. On va lui faire avaler sa fierté, on va lui faire apprendre sa leçon. Et ça, les amis, c'est pas maintenant, patientez encore un petit peu, ça va être à partir de cet automne ou dans 3 mois. D'accord? Donc voilà, j'espère que cette guidance aura répondu à vos questions. En tous les cas, on a eu plein de réponses. Et ce que je peux vous dire, c'est que les énergies, elles sont hyper bonnes pour vous. Elles sont ultra bénéfiques de votre côté à vous. Donc, concentrez-vous sur ça et pas sur l'autre. On est allé voir du côté de l'autre. Mais moi, ce que je vous conseille, parce que j'ai été beaucoup touchée par ce message, comme je vous l'ai dit, mais ce que je vous conseille vraiment, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais moi aussi, je le fais. Pour moi aussi, je sais quelle est la difficulté de faire ça, mais concentrez-vous vraiment sur vous. Balayez l'autre, comme on voyait tout à l'heure. Balayez-le de votre mémoire, de votre cœur, de votre passé, si c'est quelqu'un qui est toxique pour vous. Et si vous pensez que c'est mieux, bien sûr, gardez votre libre arbitre. Mais en tous les cas, faites-vous passer d'abord. Privilégiez-vous, les amis. Voilà. Priorisez vous, vous-même. Voilà. Si j'ai un message à vous faire passer, c'est ça. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Moi, en tous les cas, j'étais ravie de la faire avec vous. Je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse très fort. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Ciao les amis, c'était Kiki Monroe. Bye!